Je vais commencer par vous expliquer le fonctionnement de la mémoire. Comment est-ce que fonctionne la mémoire? Alors, quand on apprend quelque chose, la mémoire, elle a besoin de quoi? La mémoire, elle a besoin de répétition. Qu'on répète beaucoup et qu'on répète intelligemment. Alors, quand on apprend quelque chose, déjà, on n'arrive jamais à apprendre à 100%. On apprend toujours au maximum 100% de 75% de ce que l'on apprend. Quand on apprend quelque chose, c'est cette courbe-là. Il est comme ça. Alors, si on apprend quelque chose, par exemple, je suis en classe, moi je suis par la classe. Juste après la classe, je rentre chez moi, je prends, je sais pas, le goûter, ce que vous voulez. Je me pose et puis je révise. Donc, révision, je sais pas quoi, 2 heures plus tard, 1 heure plus tard, c'est vous qui voyez. Juste avant de dormir. Je rejoins ça, dormir, 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an. Quand on veut vraiment mémoriser quelque chose, voilà la bonne façon de faire. C'est pour ça que vous n'arrivez jamais à bien mémoriser vos cours, c'est parce que vous ne les répétez pas. Quand on est petit, et quand on grandit, ben on vous rappelle tout le temps, mais bon, J, dodo, bah oui, bah le bébé, on lui répète dodo 100 fois, c'est bon, hein. Il a mémorisé le dodo, hein. J, touche pas, c'est bon, il faudra. Donc pourquoi on va se mettre à répéter 100 fois? Ben vous apprenez votre cours une fois et vous prétendez que juste avant l'examen, c'est bon, vous le saurez, ben non. Alors 2 heures plus tard, il y en a qui vont me dire, oui, mais. Tout réviser 2 heures plus tard, mais vous allez vous rendre compte, on a tous les cours, on a de nouvelles choses, mais c'est des questions d'organisation. Comment ça va? Ok, je vais changer de couleur. Alors, bon, ça c'est 100%, on n'arrivera jamais à 100%, donc tu peux faire ça, ok. Dormir, tac. Voilà. Donc, quand vous apprenez, si vous apprenez que cette fois, vous allez arriver à mémoriser 75%. Et après, j'oublie. Donc, imaginons que l'examen soit là. C'est le suicide. Ok? Alors après, donc, je révise déjà. Non, sérieusement, l'idéal, c'est de réviser comme ça, juste avant de dormir. C'est bien juste avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'on arrive à mémoriser, et puis pendant la nuit, ça. En fait, ouais, ça travaille bien dans le cerveau, là. C'est quelque chose d'efficace. Et puis, 24 heures à 48 heures plus tard, juste réactiver, quoi, je peux dire. Et puis après, une semaine plus tard, un mois plus tard, 3 mois à 5, à 6 mois, 3 mois, 6 mois, et puis un an. C'est-à-dire, bah, je prends ce cours-là. Ok, bah, je le révise aujourd'hui, je le révise demain. Et puis après, bah, la semaine prochaine, je prends un dimanche, où je révise. Ok, après je laisse, après un mois plus tard, hop, je reprends un autre dimanche et je revise tout. Et 3 mois plus tard, je fais pareil, hop. Et juste avant l'examen, vous verrez que tout sera nickel. Et maintenant d'ailleurs, bah, votre examen est dans 3 mois, donc il y aura pas de temps. Je sais pas, en bref, en 2 mois, un mois, bon bref, enfin voilà, vous avez déjà les bons outils. Après, voudrez-vous les utiliser? Y aura-t-il des stratégies de votre part, de sabotage? De votre propre sabotage, là, c'est sûr. Hein. C'est-à-dire que j'ai du mal à appliquer une nouvelle habitude. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retomber malade. Enfin, certains d'entre vous vont peut-être tomber malade parce qu'ils vont commencer à utiliser les nouvelles méthodes. Donc, leur corps va leur dire non, j'ai pas envie de changer, surtout pas, j'ai toujours envie de faire ça, je veux pas changer. Donc, ils vont vouloir appliquer les bonnes méthodes. Je vous conseille de lutter contre vous-même.